lancer dans l'humanitaire. Vous travaillez depuis quelques années et de façon très forte dans ce domaine. Pensez-vous que là-bas, au Burundi ou en Afrique, on a une conscience plus forte de la francophonie? Moi, je pense que oui, elle est forte, elle existe, on la voit tous les jours. Elle se traduit comment? Écoutez, elle se traduit dans les demandes. Je m'occupe essentiellement d'enfants. Mmh. Lorsque je suis sur le terrain, la première chose que les enfants me demandent, c'est des dictionnaires, c'est des romans. Donc c'est la langue, ah, oui, le rapport à la langue. Le fait de véhiculer, de parler, de communiquer, cette communication qui est extrêmement importante. Et puis il y a des choses qu'on change, parce qu'il y a probablement du soleil, ou parce qu'on est malheureux, ou on essaye de changer ses mots. J'en prends pour exemple, j'étais dans un camp l'autre jour et puis il y avait une petite fille qui avait soif et au lieu de dire j'ai soif, elle m'a dit j'ai soifé. Donc elle avait eu soif hier, ouais. c'était pas aujourd'hui. Ouais. Donc c'est ce qui est intéressant de voir que ça existe, que c'est tous les jours, que c'est palpable dans tout ce qu'on fait. Vous pouvez faire le tour du Burundi, vous rencontrerez toujours quelqu'un qui pourra s'adresser à vous en français. Pour que ce soit plus palpable. Votre domaine, c'est l'humanitaire, et d'ailleurs on va vous voir dans quelques instants dans l'exercice de votre travail, mais je voudrais quand même vous poser une question. On sait que la francophonie s'est forgée il y a longtemps autour d'idées qui datent de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité. Aujourd'hui, les French Doctors, comme on les appelle, est-ce que c'est pour vous une véritable spécificité francophone? Est-ce que c'est vraiment leur domaine de prédilection? C'en est une, mais je voudrais attirer juste l'attention sur le fait que c'était très bien que les French Doctors viennent, mais nous pouvons essayer d'être des French Doctors. Je crois qu'il est très très important aujourd'hui que nous prenions en charge, que nous soyons imaginatifs, que nous puissions faire des choses comme je suis en train de le démontrer aujourd'hui. Nous avons été sur les bancs de l'école, je crois qu'il est très important de montrer que nous avons réussi nos examens. La présence de ces médecins, pardon, sur le terrain, est-ce qu'ils vous ont transmis un savoir-faire? Écoutez, lorsqu'on a vraiment envie de prendre quelque chose, vous n'attendez pas qu'on vous le transmette. Vous êtes là, vous observez, vous sentez, vous palpez, vous apprenez. Je crois qu'il est très important pour nous, moi qui vis essentiellement dans les camps, le French docteur, c'est vrai qu'il parle français, mais il n'aura peut-être pas forcément le paysan ou l'enfant qui pourra lui répondre en français. Donc il est important que nous soyons là, pas pour traduire, mais simplement pour nous agir, pour être actifs. C'est très important. L'humanitaire sera un nouvel instrument pour la francophonie, pour pouvoir s'affirmer et assurer une présence sur le terrain, comme vous essayez de le faire avec votre association. Tout à fait, je crois qu'elle est en cours. Nous sommes en train, même si c'est une petite goutte dans l'océan, c'est Mère Teresa qui disait qu'il fallait plusieurs gouttes d'eau pour faire un océan. Si je suis la première, je voudrais qu'il y en ait plein d'autres, qu'on puisse justement, à travers cette francophonie, prouver qu'on est capable de faire des choses nous-mêmes. En écoutant tout ça, j'ai vraiment...